Pas ma faute. Anne-Fleur Multon, Samantha Bailly, édition Pocket Jeunesse. Si j'étais toute seule, je me serais déjà ruée dans le couloir et je saurais déjà si oui ou non elle est vivante. Seulement pas question que Yélène me voit en larmes. Je me compose donc le fameux masque de danseuse, une technique infaillible qui me vient de Christine, ma prof de danse, et qui consiste à sourire en montrant ses six dents de devant en même temps. Ça vous donne l'air un peu constipé, mais comme dit Christine, mieux vaut avoir l'air constipé qu'au bord des larmes. C'est un point de vue. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand tout va de travers. Vous croyez que j'exagère on est à peine en octobre et il fait déjà un froid de canard. J'ai loupé mon réveil, donc j'ai aussi raté mon bus. Il a plu sur le chemin et je n'avais bien sûr pas de parapluie. Et dans la précipitation matinale, j'ai attrapé au hasard dans ma penderie le premier chemisier venu d'un bel orange vif qui, combiné à mon jean noir, me donne l'avantageuse dégaine d'une citrouille d'Halloween. Au moins cette saison. Pour faire bonne mesure, j'ai oublié mon livre de maths, ce qui ne m'arrive jamais, et la prof a noté le nom de ceux qui l'ont oublié, ce qui ne lui arrive jamais non plus. Et maintenant, Montesquieu, qui tombe en même temps que les vecteurs. Il ne manque plus qu'on nous serve de la moussaka à la cantine pour rendre cette journée encore plus déprimante et détrempée qu'elle ne l'est déjà. Je balance mon sac sur mes épaules et je sors discrètement mon portable de ma poche. Je vais pouvoir enfin vérifier, après cinq jours d'attente, je vais savoir. Comme un homme, Florence Hinkle, édition Nathan. Il saignait. Le froid commençait à paralyser ses pieds et ses mains. Les battements de son cœur s'étaient emballés à cause de la surprise et de la peur, mais il ralentissait désormais beaucoup trop. L'immobilité, c'est la mort. Il n'y voyait rien, pas même les étoiles dans le ciel, pas de demi-lune qui éclairait un demi-monde, repoussait les ténèbres. Il épongea le sang qui lui coulait dans les yeux avec son bonnet, puis il le replaça délicatement sur sa tête en espérant que ça ferait pansement. Il y essuya aussi sa main. Il vérifia en tâtant sa carabine que celle-ci n'avait aucun dommage. Il commença sa progression à quatre pattes puisqu'il n'avait pas la place pour se lever dans la galerie. L'arme sur son épaule le gênait, s'accrochait à des racines, chutait, mais il ne voulait pas s'en défaire. Son objectif était inchangé. Je vais le tuer. Les ténèbres s'insinuaient dans chaque interstice de ses vêtements. Elles coulaient comme de l'eau noire contre sa peau, entraient par ses narines et ses oreilles, emplissaient ses poumons. Soudain, il comprit qu'il avait emprunté une autre galerie que celle par où il était tombé. Il le devina lorsqu'une chaleur bienvenue l'enveloppa et lorsqu'un ronflement guttural le terrifia. La tanière d'un ours. Le ballon d'Achille. Marie d'Orléans, édition Sarbacane. Mais alors que tout le monde lui tourne le dos, Achille essaie encore et tout à coup, son ballon se met à grossir, 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 jusqu'à devenir un énorme ballon. Et voilà que... Le ballon emporte Achille. Il le soulève de terre l'entraîne dans les airs, au-dessus des amis, au-dessus du jardin, au-dessus du village. Voilà, c'était donc un court extrait des trois ouvrages qui vont être débattus maintenant sur le plateau de la plume démasquée. C'est à toi, Isa. Merci Sophie pour cette lecture. Spectateurs, spectatrices, euh, internautes, bonsoir et bienvenue donc dans la plume démasquée. Le principe est simple. Euh, trois invités venus présenter euh, chacun un coup de cœur dont vous venez d'entendre des extraits. Aujourd'hui, nous recevons euh, sur le plateau Nathalie Barbier qui est professeure et documentaliste en collège à Paris. Marie-Charlotte Baudour, chargée de mission à l'Alliance Française à Paris également, ainsi que euh, Stéphanie Maléa, amoureuse des livres et en charge d'une agence de communication spécialisée dans l'édition jeunesse qui s'appelle -J. j Voilà, donc le tour du plateau est fait. Sans plus attendre, je vais vous proposer, Marie-Charlotte, de nous présenter euh, votre... Euh, Nathalie, pardon, excusez-moi, de nous présenter euh, votre coup de cœur. Rappelez-nous le titre, s'il vous plaît. Alors, mon coup de cœur, moi, c'est C'est pas ma faute de Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon. Parlez-nous. Donc, ça raconte en parallèle l'histoire de deux jeunes adolescentes, Prudence et Lolita. Donc, Lolita est YouTubeuse, influenceuse beauté, elle a créé une chaîne qui a beaucoup de succès. Et Prudence est sa plus grande fan. Elle suit régulièrement tout ce que poste Lolita sur sa chaîne. Et elle en. Ça, ça devient même sa raison de vivre, sa, son ancrage dans le, dans le réel se fait en fait par ce biais-là. Donc ce sont deux jeunes filles très très différentes. Lolita vient d'un milieu très défavorisé et elle met en scène finalement la vie dont elle rêve. Et euh, Prudence, elle, est d'un milieu beaucoup plus favorisé, une très bonne élève, elle a une vraie passion pour la danse classique et mène ce qu'on pourrait qualifier d'une vie tout à fait euh, normale, même si elle peine quand même à trouver sa place. Et elle gère de plus le, le compte Instagram de, de Lolita. De, des fans de Lolita. Et son monde va s'écrouler le jour où Lolita va disparaître. C'est-à-dire qu'un jour, elle disparaît complètement de, de tous les réseaux sociaux qu'elle a, qu a mis en place. Alors la grande force de, de ce roman, en fait, c'est de mener en parallèle les deux points de vue de ces deux jeunes filles. Donc on les suit par des chapitres très, très courts qui sont datés, donc avant la disparition, après la disparition. Et donc petit à petit, on découvre ce qui est arrivé à ces deux jeunes filles dont on, donc, les, les deux autrices nous font vraiment aimer ces deux jeunes filles. On finit par s'attacher à elles. On a envie de découvrir vraiment ce qui, ce qui leur arrive et savoir pourquoi, finalement, elles, sont, euh, elles se suivent ce, le parcours qu'elles suivent. Elles font les choix qu'elles font. Et, euh, Je ne me souviens plus. <rire> Alors, <rire> Le, le, le livre donc est divisé en chapitres, avant la disparition, après la disparition, et les, les deux parties des jeunes filles sont vraiment euh, différenciées, puisque la partie de prudence est à la première personne, c'est-à-dire qu'elle dit je, elle parle d'elle, et la partie de Lolita est à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire qu'on dit toujours tu n'en peux plus, tu fais ceci, tu fais cela, en fait, ce qui met une certaine distance par rapport à tout ce qui lui arrive. Et donc, les deux autrices vont profiter de, de, de ce parcours des deux jeunes filles pour balayer un certain nombre de, de sujets assez graves. Alors, bien évidemment, tout, tout ce qu'il peut y avoir autour des chaînes YouTube qui font rêver très souvent les, les adolescentes et dont on voit un peu le revers de la médaille aussi. Hein. Ce n'est pas aussi euh, pailleté et glorieux que ça n'en a l'air. Et d'autres thèmes aussi, alors, qui, dont on pourrait leur faire le reproche que c'est un petit peu survolé, qu'il y en a finalement beaucoup, comme l'homosexualité, l'anorexie... Enfin, des thèmes très très lourds, des agressions sexuelles et qui finalement sont évoquées assez rapidement mais euh, qui, qui ont le mérite quand même d'être évoquées euh, par les autrices et euh, qui s'imbriquent euh, parfaitement bien dans l'histoire des deux jeunes filles Très bien, merci Nathalie euh, Marie-Charlotte, on va commencer par vous Est-ce que vous pensez, vous aussi, que certains thèmes ont été survolés enfin, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette, euh, cet avis cette... Oui, j'ai trouvé que c'était un roman très ambitieux à ce niveau-là parce qu'effectivement euh, ça on va jusqu'au racisme, euh, la, ce que c'est, la parentalité, euh, et qu'effectivement, euh, on, on sent un, presque un effort de, de, de tout boucler avant la fin du roman, mais, euh, mais j'ai malgré tout trouvé que c'était euh, très bien fait, très bien amené. Et c'est de toute façon un livre euh, qui est une belle prouesse d'écrire à quatre mains. On sent toute l'affection des, des autrices pour les deux, les deux jeunes femmes euh, en devenir. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était très, très très juste quoi. C'est vrai qu'on en tout cas dans, on a le sens. Enfin moi j'avais l'envie euh, presque de euh, continuer à savoir ce qu'allait devenir euh, Prudence et, et Lolita et presque de les suivre sur un roman qui leur s'est finalement dédié euh, euh, en particulier. Mm -hmm. euh... Oui, c'est surtout, euh, c'est aussi un, une espèce de parcours initiatique en fait, puisque finalement ces deux jeunes filles qui sont un petit peu coincées dans l'image qu'elles renvoient, elles vont finir par, euh, bah, par se révéler d'abord à elles-mêmes, avant de se révéler aux autres. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que vraiment on suit euh, des, deux, deux jeunes filles qui sont en train d'éclore et qui font des choix qui sont des fois un petit peu désastreux, notamment concernant Lolita, et puis qui, qui, qui finalement finissent par trouver une place. Alors, qui, qui est la leur pour un temps, mais en tout cas, elles finissent par trouver une place, ce qui est quand même déjà pas si mal en fait. Effectivement, trouver sa place quand on est adolescent, j'imagine que c'est pas toujours simple. Euh, bah, Qu'en pensez-vous Stéphanie Maléa euh, Moi, la lecture, un peu décontenancée les premières pages euh, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ben, j'ai plus, plus le quitter, je l'ai lu d'une traite. Euh, J'ai été complètement euh, happée par euh, l'histoire de ces deux ados, parce qu'il leur arrive. Le côté thriller fonctionne à merveille. Et euh, je trouve, voilà, ça aborde aussi beaucoup de thèmes, mais hyper bien amené, euh, et ça forme vraiment un tout. Euh, on ne pourrait pas enlever. Une des parties, enfin, tout se tient. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre, en fait, entre tout ce qu'elles ont voulu raconter, transmettre. Euh, pareil, j'aimerais bien les retrouver dans pourquoi pas une suite. Où, enfin, voilà, on s'attache vraiment à ces deux personnages. Pourtant, je ne suis pas très réseaux sociaux, tout ça, mais, mais il se passe quelque chose, en fait. Il y a une sorte de magie. Et ce que j'ai adoré, mais ça, c'est peut-être un plus, mais c'est les suivre. Elles ont tellement poussé, elles ont tellement aimé ce livre, qu'elles ont même fait des vidéos pour raconter comment elle travaillaient à quatre mains enfin elles se sont vraiment investies dans le projet et j'ai bien aimé ça le fait qu'un auteur vive son livre qu'elle se... enfin, voilà. Et très bon roman Et donc on nous montre un petit peu l'envers du décor aussi derrière enfin, derrière l'histoire ce qui se passe au niveau de l'écriture très bien. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, d'ailleurs, elles racontent qu'elles sont arrivées un jour chez, chez leur éditeur et qu'elles ont dit :« Bah voilà, on voudrait écrire un livre, c'est l'histoire d'une YouTubeuse et de sa plus grande fan, qui disparaît, et de sa plus grande femme qui va la chercher. » Et c'est vrai que rien que, que ce résumé, en fait, fait un petit peu rêver. On se dit, on se demande ce qu'il peut y avoir derrière après. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a lu toute cette enquête, on se dit que finalement, l'apparente légèreté qui pouvait y avoir au début dans ce propos n'est plus du tout de mise dans le livre. Bien, donc, euh, toute référence à une chanson connue n'est pas involontaire, mais peut cacher quelque chose d'autre. Mm, bien. Euh, Marie-Charlotte euh, Baudour, vous aviez vous aussi un coup de cœur. Serez-vous me rappeler le titre et nous en parler, s'il vous plaît Oui, j'ai un petit coup de cœur. Je me permets juste une rectification. Je ne... Je travaille à l'institut français et pas à l'alliance française, bien que, bien que nous, nous travaillions évidemment avec les alliances françaises dans le monde et que nous soyons très heureux de le faire. Merci. Voilà, je, me, je voulais me, me permettre cette rectification. Oui, donc euh, j'ai lu comme un homme de Florence Inkel, qui est donc un, un très court roman qui fait une cinquantaine de pages euh, de la collection Court toujours chez Nathan. Euh, Florence Inkel est par ailleurs une, une autrice euh, qui écrit pour la jeunesse et, et pour les adultes. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, Ethan, euh, qui euh, poursuit un autre homme, un homme qu'il a envie de tuer. On ne sait pas pourquoi il veut le tuer, on, on est dans le, le point de vue d'Ethan de, tout au long de ce roman-là. Euh, c'est un, un jeune adolescent. Il est en, en pleine montagne, en hiver. Euh, la nuit euh, s'apprête à tomber. Et il est absolument tout seul avec euh, sa carabine, euh, obsédé par, euh, par l'envie de, le besoin de, de tuer cet homme. Et on ne sait pas ce que cet homme euh, a bien pu lui faire, mais en tout cas, euh, euh, c'est urgent de, de, de le faire. Et euh, Ethan tombe dans un trou. Et, et comme on l'a entendu dans l'extrait, euh, tombe dans une tanière, euh, tanière d'ours, euh, dans laquelle il passe la nuit euh, avec euh, l'ourson. Alors c'est assez compliqué de parler de cet ouvrage sans euh, sans euh, devoir euh, divulguer un peu le le, le contenu euh, de de la question principale en fait de ce roman qui est assez euh, assez dur, assez grave. Euh, je sais que Florence Inkel s'est euh, positionnée sur cette, euh, cette question-là en, en étant plutôt en faveur d'annoncer euh, la couleur et de, pourquoi pas dire, ce qui est, euh, ce qui est un peu particulier parce que c'est un, un roman qui est construit comme un thriller en fait, qui est un conte initiatique mais est construit comme un thriller. Donc en fait, il est question d'inceste de, de, et ce jeune Ethan veut venger sa mère. Qui euh, donc a été victime d'inceste de la part de son père. Donc l'homme que euh, Ethan poursuit est son grand-père. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé que c'était un très beau roman. J'ai je, je, été complètement prise dans l'écriture. Et ce que j'ai aimé, c'est euh, toute la réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est finalement que d'être un homme. Euh, lui, Ethan, c'est presque au contact de, du vivant, euh, seul, en danger, qu'il comprend ce que c'est que sa vulnérabilité ou sa fragilité d'être humain. Et ensuite, euh, au contact aussi d'animaux sauvages, certes endormis, mais euh, qu'il euh, renaît ensuite. Enfin, voilà, c'est vraiment... Un, un, j'ai trouvé un compte initiatique de, de, du passage de la transition sur euh, voilà, quel, quel type d'homme j'ai envie d'être. Euh, et, et, et voilà. voilà... Merci. Merci. Je vois que Stéphanie Malia a une, une réflexion. Ça vous a inspiré quelque chose, ces dernières phrases Eh bien, on vous écoute non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Marie-Charlotte. Mais euh, le, en fait, ce qui, moi, ce qui m'a touchée, c'est ce qui va se passer dans les sentiments forts de, du personnage. On ne sait pas trop qui il est. On, au début, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, à part l'envie de tuer quelqu'un. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est de réussir en si peu de pages de parler de tout ce qui va se passer dans son corps, dans son esprit et du passage de la colère à la réflexion, de tout ce qui va en fait le traverser. Euh, voilà. Et la force de cette collection, c'est le troisième que je lis et franchement c'est euh, hyper, euh, à mon avis, compliqué comme contrainte d'avoir si peu de pages, de s'arrêter à un instant T de ce qui se passe dans la vie d'un ado. Euh, après j'en ai lu des très différents, ils, ils parlent pas tous de la même chose. Il euh, Y en a un qui m'a fait beaucoup rire. Enfin hein, et je trouve que cette force, en fait, c'est d'avoir réussi à, à donner la parole à un adolescent. Et ça semble tellement juste, limite cinématographique. Et euh, voilà, on est complètement happé euh, par l'histoire. Et, et ce gamin, on, on le suit, on le comprend, on est dans sa tête et on a peur pour lui. Et non, chouette, euh, chouette défi. Chouette défi. Nathalie Barbier, chouette défi pour vous aussi que ce deuxième ouvrage oui, oui, moi, j'ai trouvé que c'était une écriture qui était vraiment toute en subtilité, c'est-à-dire qu'en fait, on en apprend autant dans ce qu'elle dit, dans ce que l'autrice dit, que dans ce qu'elle ne dit pas, en fait, finalement, de, de, de l'histoire. Et donc, ça se dévoile petit à petit, et on a vraiment le, le sentiment qu'elle nous raconte la, la nuit d'un jeune garçon qui est passé vraiment pendant cette nuit de l'état entre guillemets de petit garçon à l'état d'homme. Et c'est vraiment ce, ce voyage-là qu'il fait, alors qu'un voyage assez immobile puisqu'il passe quand même sa nuit dans la tanière de sa tourse et en fait ce voyage est un voyage initiatique c'est-à-dire que tout en restant immobile il va de fait beaucoup penser et il va grandir à ce moment-là et c'est moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce, vraiment cette idée de voyage en fait je ne bouge plus je ne peux plus bouger je suis obligé d'attendre, mais euh, je peux continuer à grandir aussi malgré tout et à emmagasiner un maximum de choses pour que quand je vais sortir, je serai différent. Et effectivement, il est différent et donc on ne va pas bien sûr raconter la fin, mais c'est vrai que la, la fin est assez... Enfin, moi, j'ai été bouleversée par la fin. La beauté du voyage immobile. Très bien, mais écoutez, ça donne envie. Eh bien, passerait-on un troisième coup de cœur Le vôtre, peut-être, Stéphanie Le ballon d'Achille. Le ballon d'Achille. Alors, ce qui Ouais. Ce qui s'est passé, c'est ben voilà, cette couverture, c'est plein de livres sur une table. Et Achille m'a parlé, il m'a dit Lis-moi, lis cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été complètement attirée euh, immédiatement par. Euh... De toute façon, je suis complètement fan de Marie d'Orléans, qui m'avait beaucoup fait rire dans les précédents, euh, surtout Raymond. Euh, comment... j'ai oublié le titre enfin, yeah, voilà. et du coup voilà Achille m'a parlé alors Achille ce qui m'a plu c'est que euh, c'est drôle, c'est intelligent c'est euh, émouvant, c'est magique Enfin, ça mêle tout ce que j'aime dans un album euh, pour moi un album c'est très délicat parce qu'il faut qu'il y ait un super rapport texte-image, il suffit pas que les illustrations soient belles, il faut que le texte apporte quelque chose, il faut que ça fasse un tout et là c'est pari gagné donc Marie est à la fois autrice et illustratrice euh... Et format chouette qui correspond bien à l'histoire du livre. Et euh, donc voilà, Achille est invité à un anniversaire et euh, je pense qu'il arrive un peu à la bourre puisque tous les enfants sont déjà installés euh, et là l'occupation c'est gonfler des ballons. Euh, Achille se dit Pourquoi pas? Il va essayer, mais qu'est-ce que c'est difficile? Il souffle, rien ne se passe, il souffle, il échoue, il recommence, tout le monde y arrive, tout le monde s'éclate et lui il n'y arrive pas. Mais je le comprends, hein. moi-même j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais petite à apprendre à gonfler un ballon. Oh, et là, a les adultes ont encore du mal, un truc dingue, ouais, c'est clair. Un truc dingue, euh, il souffle et puis là, bah, ça se gonfle, ça se gonfle un peu plus, vraiment beaucoup. Et là, il devient léger comme une plume, il est complètement emporté. Et là commence un voyage extraordinaire. Je ne vais pas trop vous en raconter pour que vous ayez envie de suivre son aventure et le rencontrer. Mais voilà, il va faire un, un voyage absolument fabuleux et en fait être porté comme ça par les courants d'air et faire d'absolument belles rencontres. Et ce que j'adore en fait, c'est que c'est entre le rêve, le voyage et à. En Fait, on est dans l'histoire, on est dans les airs avec lui, mais en même temps, ce que j'adore, c'est que dans le texte, euh, on perd pas en fait la notion de fête d'anniversaire qui se poursuit parce qu'il a quand même ça en tête que quand même euh, il s'éclate là, mais que euh, bah, il va se passer des choses forcément sans lui. Ils vont peut-être manger le gâteau, ils vont peut-être euh, voilà faire commencer la chasse au trésor sans lui. Je vous dis pas à la fin, mais euh, voilà, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour cette, euh, cet album. Euh, les illustrations sont hyper belles, un noir, assez élégant et fin. Euh, enfin voilà, je trouve que c'est un petit bijou et c'est exactement le genre de livre que j'aurais adoré raconter à mes enfants petits. Bon, bien sûr, entre la famille souris et la chef biscornue, ils n'auraient pas pu s'en passer, mais euh, voilà, c'est exactement le livre que j'aurais adoré conseiller en librairie. ou raconter à mes enfants. Merci. Euh, Nathalie Barbier, donc euh, Stéphanie a eu l'élégance de ne pas nous révéler le voyage d'Achille jusqu'au bout, mais vous qui l'avez justement suivi jusqu'à son terme, ce voyage, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors moi, j'ai trouvé que c'était un album extrêmement poétique. C'est que pendant, euh, on ne sait pas en fait si son voyage, il est imaginaire, si c'est un voyage réel. Euh, on le suit, de, on a l'impression que son voyage lui permet aussi de, de surmonter toutes les difficultés. Et effectivement, comme Stéphanie l'a dit, il ne veut absolument pas rater l'anniversaire de, de sa copine. Donc, il est prêt à tout, en fait, pour, pour, pour y arriver, pour être là au bon moment. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très beau, ce, ce, ce petit garçon dont on se moque et puis qui, finalement, arrive à, à tout surmonter. Alors, on ne sait pas si c'est par son imaginaire, si c'est si vrai. Et bon, il y a cette chute qui est, qui, est, qui est magnifique, qui nous révèle, en fait, le, le fin mot de l'histoire, justement. Et, euh, et moi, j'ai vraiment trouvé que c'était très très beau, effectivement. Et les illustrations, alors, elles vont parfaitement bien avec le texte, effectivement. Il y a un bel équilibre entre les deux, c'est-à-dire que la poésie du texte va vraiment avec la poésie d'image. Eh, eh bien, dis donc, la fin de cette histoire, on a tous envie de la savoir. <laughs> Marie-Charlotte Baudour, vous qui, justement, avez-vous aussi été jusqu'à la fin de l'histoire Alors, je ne vous la donnerai pas non plus, mais ah, euh... vous essayez essayer. Ouais, mais je, je rejoins euh, Nathalie et, et Stéphanie sur le, sur le côté très attachant d'Achille. Enfin, moi, en tout cas, je me suis régalée. Euh, ça m'a offert une, une bulle ou un ballon de, de légèreté. Euh, et je trouvais ça assez euh, réjouissant que ça vienne de lui aussi. Enfin, que euh, lui qui avait du mal, justement, à, à gonfler, euh, et que ça vienne de, je sais pas, de son souffle. Enfin, c'était, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, euh, ouais, voilà cette prise de ce départ et cette ce voyage poétique, ouais, moi ouais, m'a régalé. Merci. J'ai une question qui me vient comme ça. Euh, Stéphanie déclarait avoir eu un de, un premier coup de cœur visuel, si j'ai bien compris, c'était fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Oui. Surtout pour les albums, il faut que ça me parle, il faut que l'image me parle, il faut que. Pour les romans, c'est pas pareil. Je vais plus regarder le nom de l'auteur ou... parce que des fois il y a des couvertures qui sont plus ou moins réussies dans les romans et, et là l'important c'est le texte. Du coup, je regarde plus le nom de l'auteur. mais les albums, je trouve que le premier rapport qu'on a avec le livre, c'est vraiment voilà la magie de l'illustration. Mm -hmm. Et du coup, soit on est happé, on a envie, soit. Euh... Ça c'est plus dur, quoi. Ça c'est plus dur. Et justement, nous avons eu un album aujourd'hui et deux, deux, donc deux autres ouvrages d'un format différent. Un me demandais était, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé, Nathalie, vers, vers votre coup de cœur. C'est pas ma faute euh, alors moi c'est euh... le non le titre l'idée peut- être d'un rapport avec une... alors au début euh, non c'est le, le contraire c'est que moi quand j'ai enfin, vu la, la couverture je l'ai trouvée très intéressante et après que j'ai lu la quatrième de couverture je me suis dit bon l'histoire de youtubeuse de, de fans etc ça m'attirait pas forcément et en fait c'est une collègue professeur documentaliste qui l'avait lu qui m'a dit ah bah tu devrais passer ce, ce, ce premier a priori et vraiment euh, commencer à lire. Ce que j'ai fait, et euh, j'ai pas réussi à le lâcher avant la fin. <laughs> Quel est l'adage Déjà en anglais on dit Don't judge a book by its cover, mais y a une, une, y a une, il y a un, une équivalent français pour ça, ne pas juger un livre par sa couverture. Non, ça ne, mais non, ça ne se traduit pas exactement. En tout cas, il y a cet cette, cette, cette euh, ce, saying, ce, ce cet adage anglais qui dit grosso modo qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. J'étais persuadé qu'il y avait la traduction française pile exacte, mais non, pas du tout. C'est la bine fait pas le moine. La bine fait pas le moine. <laughs> Rien à voir ou presque. Et vous, Marie-Charlotte, qu'est-ce qui vous a guidé vers votre coup de cœur parmi. Es Est-ce que c'était le visuel Est-ce que c'était la non-couverture Alors, non, je dirais que ce sont plutôt des raisons euh, purement professionnelles d'être à la recherche de formats qui soient, nous, euh, adaptés à, aux apprenants de français, notamment dans, dans le monde, euh, qui soient jeunes ou moins jeunes. Et, euh, et cette collection-là. Euh, est très intéressante à cet égard. Et, euh, voilà. et puis, c'est une auteure dont j'avais entendu parler et que je n'avais pas encore lu, donc j'étais très contente de la lire aussi. Donc, vous trouvez que le contenu de l'ouvrage est assez adapté finalement à plusieurs tranches d'âge, si, si je comprends bien Alors, euh, adapté à la fois à plusieurs tranches d'âge, mais euh, surtout à plusieurs niveaux de, de langue. Euh, et pouvoir proposer en fait un, un objet éditorial aussi, et artistique aussi bien fait, avec la contrainte que tu décrivais tout à l'heure. Euh, C'est euh, ce que nous on a, on a envie de proposer, ou en tout cas de, 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 de favoriser dans, dans la, la diffusion, euh, dans l'accès, euh, l'accès vers ces livres-là, euh, qui permettent à des, voilà, des apprenants qui, euh, qui ont un niveau euh, intermédiaire ou confirmé de, euh, de pouvoir euh, s'attaquer en fait à, à, à ce type d'objet littéraire. Comme quoi finalement la littérature jeunesse ne concerne pas que la jeunesse, ou alors toutes les jeunesses, donc en fait celles qui vont de 7 à 77 ans. Camille, alors vous n'avez pas 7 ans, peut-être pas encore 77, mais je sens que vous êtes concernée, vous avez quelque chose à dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Eza. Euh, ben, en réalité, moi, je suis la représentante de Kiboukine. Vous savez, la plateforme de prescription littéraire euh, du salon, qui regorge de bonnes idées de lecture. Et euh, les titres qui sont présentés sur cette plateforme sont labellisés. Ça veut dire qu'on leur assigne une petite formule, un mot qui vient euh, présenter en un seul coup d'œil l'ambiance globale du livre, les émotions que euh, voilà, pourront, euh, auxquelles pourront prétendre le lecteur en les lisant. Donc euh, voilà, là, j'ai suivi absolument les débats j'ai écouté tout ce que vous avez dit donc je vais proposer des labellisations vous me direz si vous êtes à peu près d'accord je vais commencer par c'est pas ma faute donc euh, clairement là ce qu'on peut en dire déjà de ce que j'ai entendu c'est euh, oulala là là, qu'est ce que c'est bien euh, qu'est ce qu'on peut rajouter euh, d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus développé euh, un thriller haletant une intrigue palpitante un rythme maîtrisé euh, un propos qui est pertinent euh, voilà juste euh, un titre insoupçonnable parce que comme tu l'as dit euh, Nathalie, euh, voilà, il ne faut pas se fier à la couverture, non pas qu'elle soit laide hein, pas du tout, euh, c'est que chacun se fera son avis, euh, simplement euh, elle ne présage pas du tout du, du contenu narratif que le lecteur y trouvera euh, voilà donc vous pouvez vraiment euh, y aller les yeux fermés et puis euh, bon bah voilà si, euh, si ça ne vous plaît pas, c'est pas ma faute Ensuite, euh, comme un homme, alors là, quoi dire enfin, Efficace, percutant. Euh, expéditif mais extrêmement dense euh, c'est du condensé de littérature c'est un peu euh, vous savez l'équivalent éditorial de, des petits berlingots euh, de lait concentré sucré euh, qu'on peut transporter partout et que bah voilà là c'est exactement la même chose le livre que vous pouvez emporter en randonnée en montagne quoi. donc vraiment courez vous procurer tous les bouquins de la collection court toujours de chez Nathan donc une collection qui est tout terrain parce qu'elle est disponible euh, chaque titre en audio, en papier et en numérique et ensuite bah, pour terminer, le, le Ballon d'Achille alors là j'avais euh, carrément envie de dire que c'était un album gonflé mais c'était juste pour le jeu de mots parce que euh, c'est pas du tout à propos euh, donc je vais m'en tenir à des termes qui sont beaucoup plus adéquats euh, poétique, réjouissant, dépaysant facétieux, onirique euh, fabuleux, enchanteur euh, voilà, donc tout ça pour le Ballon d'Achille écrit par euh, Marie d'Orléans et euh, publié chez Helium non, pardon, c'est encore une blague, publiée chez Sarvecan. <laughs> Merci Camille pour ces réflexions qui sont de véritables pépites. Est-ce que quelqu'un a saisi mon jeu de mots Non, personne. Bon, j'aurais au moins essayé. Voilà, mais... <laughs> Eh bien, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, La Plume démasquée, donc cette émission de critique littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, édition 2020, euh, distanciée, mais néanmoins euh, présente et présentielle. Pour vous, et avec vous. merci et à demain.